Pour essayer de le vendre. Pour le coup, on va devoir la noix. Voilà. Un disque. On va retourner ce disque. On va le claquer. Ceux-là ils sont ronds, il n'y a pas de décalage à faire, j'ai pas besoin de me casser la tête comme. Pourquoi ça arrive avec certains coups des encoches, je crois que c'est un carrefour et compagnie. Mais sur ce là, j'ai pas souci. C'est bien collé avec lui. Je tourne mon disque d'envoyage au fur et à mesure. Des fois, il y en a que je tourne, il y en a que je tourne pas. Pour vous voyez bien que monter à l'arrache. Si on essaie bien quand même. Pas trop suffisant. Ensuite, on va enlever le fracasse. Voilà. Non, ensuite les trous. La clé à choc. Putain, il va pas tourner ce rondelle, c'est pas normal. Tu files le chien, s'il te plaît. Voilà. On va verser la rotation. On va serrer. La 17, ça sera mieux. Alors. Et voilà, pas besoin de plus. Maintenant, une petite axe de l'été. La cloche. Niveau sommet, j'avais dit, les petits trous. Trous, là. Poste de la flèche. Flèche en face du petit trou. Voilà. On va sortir un vis une rondelle. Attention, il prend bien droit. Pareil, toujours les filtres en milieu, si j'en ai aucun de travers, le filtre je l'ai foutu.
Bien serré les 4 vis, c'est bloqué, c'est bon. Vérification, ouais, ça décolle léger et en plus ça décolle de travers. Comment se fait-il? Bon bah alors voilà, j'ai appliqué ma pâte à jambes, mais on gêne un petit peu partout sur le carter là-bas. Je sais pas si vous pouvez voir là autour, en bas, en bas. Et puis bah là je vais remonter tout ça. Je vais planter le pignon. Il faut que je bloque avec la vis là-bas au bout. Un petit peu de graisse derrière, comme ça. Et tiens. Voilà, on place en face. C'est surtout la chose à préférer. Ou éviter de mettre la sur le temps de jambe. C'est pas dramatique. Lui il veut pas, décidément. Voilà. Bon, allez, de toute façon, il va se mettre. Donc là, on a une ligne à peu près qui tire à la fin. De vis, on va cliquer, on va marcher dessus, ça va de partir d'en bas quand même, forcément, ça va envoyer plus les vis en bas. Ça bien sûr c'est la seule vis qui n'a pas de vis, je vais couler la boutique. Ok, du coup ça a touché le pavis. Ça m'a tout éclaté, faut que je retourne dès que je refasse le pavis. Oh, ça craque, c'est comme ça. Quand ça craque comme ça, c'est que...